Allez, salut les amis poissons, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Subnautica Beyond Zero. On va continuer nos aventures et on va fabriquer normalement Alan. Voilà, donc j'ai récupéré tout ce qu'il y avait, vous voyez, c'est tout prêt ici, sur la droite. Donc on va aller tout de suite fabriquer ce qui va bien. D'ailleurs, on les fabrique comment? Bonne question. Ça se fabrique où ça? Peut-être ici. Non plus. Ah. Bon, alors. Tiens, bon, ça marche. J'espère que je me suis pas planté. Bref, je pense qu'il faut aller donc trouver peut-être l'usine. Hein. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Ah, ouais. Non. Je sais pas comment on peut fabriquer là. Donc du coup, bah, on a tout ce qu'il faut pour ça, on va y aller tout de suite, j'espère que je me suis pas planté. Hop, allez, on ressort, direction l'aquamodule, donc on va descendre presque à 1000 mètres, donc j'espère que votre aquatracteur peut bien descendre. Moi, normalement, c'est le cas, je peux descendre jusqu'à 1000 mètres. Et direction, alors on va la mettre en phase, donc capsule, ça je m'en fous. Et il me faut commencer par voilà le balise, la station Delta. Donc on va partir, c'est où? C'est par là-bas plutôt. Allez, on est parti les amis, on va faire le chemin ensemble. Hop, avant ça, on va faire un petit truc que j'ai oublié. Parce que sinon, on va se faire avoir, c'est pas grave, je vais rentrer à la nage. Faut que je prenne de la bouffe les amis, parce que si je prends pas de la bouffe, on va pas avoir l'air con si on meurt parce que on a rien dans le ventre. Normalement la flotte j'ai pas trop besoin de prendre parce que j'ai ma combinaison, je vais quand même prendre une par sécurité. Alors la bouffe c'est là, je vais prendre tout ce que je peux. Je pense que j'en aurai assez. Et la bouffe, ouais allez, on va en prendre celle-ci. Voilà, du moins la flotte, moi, je pense que j'en aurai largement assez. Parce que ma combinaison recycle aussi. Allez, je vais repartir. Ça commençait bien, j'oubliais des trucs hein, là-dessus. Voilà, j'améliore aussi la combinaison en profondeur. Normalement, on peut descendre un petit peu plus bas, logiquement. Allez, on est reparti. Hop. Allons-y, let's go. Donc vous allez aller jusqu'à la station Delta. Alors grosso modo on va faire à peu près le même chemin que pour je sais plus ce qu'on avait récupéré, les organes ou le corps hein, dans la zone des cristaux violets, tout ça. Donc, on va refaire grosso modo le même chemin. Donc grosso modo, je fais le chemin et puis je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo, on va voir, c'est pas sûr. Hein, et puis ben, je reprends un petit peu plus bas, plus loin. Bon allez, la Skyle est là, donc toujours pareil, on contourne l'île par la gauche, on prend notre petit repère hein, qui est au sol, le sol hein, entre le sombre et le fond, le clair, j'allais dire le sombre et le foncé, c'est à peu près la même chose, hein. Je suis pas très en forme moi. Allez, on y va jusqu'à ce qu'on ait plus de repères, on trouve notre repère de l'arbre. Bon, on a des monstres, n'hésitez pas à sauvegarder au fur et à mesure si vous ne voulez pas vous faire avoir, bien entendu. Voilà, une fois qu'on est là, hop, on prend à gauche, vous devrez voir, il est où? Non, il est où? Il est pas là, il est là, voilà, mon arbre. Donc vous prenez l'arbre, direction
la droite, et là on va descendre après direct jusqu'à environ 300 mètres. Allez, on est parti, on descend. Donc vous allez arriver vers le gros machin là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est ici, hop, le gros truc, le jardin des vents, je crois. On va continuer à descendre jusqu'à environ 300 mètres. Voilà, et là, normalement, vous allez avoir trouvé des fissures. Voilà, où il y a des explosions normalement à l'intérieur. Donc, on va y aller. Voilà, hop, c'est passé par là. Bon, c'est pas bien, c'est un peu étroit. Là. Hop. Voilà, donc vous vous retrouvez avec la base. Une fois que vous êtes à la base, on prend ici direction gauche et on va continuer jusqu'à notre prochaine entrée des grottes. Je me suis pas trop parti. Non, c'est bon. Tac, donc je suis arrivé par là. Voilà, une fois que vous êtes là, hop, vous longez la droite. C'est pas trop cassé mon point de vue. Donc vous allez longer la droite en longeant le mur. Hein. Tout simplement. J'espère même pas m'être planté parce que je retrouve pas mes repères. C'est pas grave, on va continuer ici. Normalement, c'est ça. Direction. Voilà, et là, on va commencer à plonger. Allez, je descends ici. Je me retrouve, voilà, vers les cristaux violets. C'est ce qu'on avait fait. Et là, toujours. Toujours pareil, normalement, hop, on arrête les directions, le nord, on va longer les cristaux. Voilà, partant de là, vous avez le petit repère de l'arbre, là, vous voyez, toc. Alors moi, je vais m'arrêter, on va faire tout de suite une sauvegarde, parce que là, il y a quand même des monstres. Et partant d'ici, et ben ce que vous faites, vous prenez direction nord à peu près. Nord, nord-est, voilà, et il y a une fissure, donc vous voyez, hop, on va suivre la fissure là, on va rentrer dans la fissure. On va essayer de rentrer dans la fissure, voilà, ça passe pas, c'est par là. Et on continue à longer la grotte. Normalement sur la droite. Normalement, hein. C'est pas gagné, parce que comme d'habitude, je me suis peut-être encore paumé. Et on va descendre au fur et à mesure. Le truc, c'est que je retrouve mon gros cristal de l'usine. C'est surtout ça. Voilà, je reste à droite. Scanner.
J'ai l'impression d'être en sens inverse, mais c'est qu'une impression, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver vers une caverne de cristaux rouges. Je pense que je suis pas trop mal là. Il y a du monstre. Voilà, il m'a attaqué, donc je vais arriver. Moi je vais faire pareil d'ailleurs, je vais me barrer. Je vais me mettre dans un côté aussi histoire de réparer. Bon, je pense que de toute façon je vous la donne dans le mille, hein, j'ai dû me paumer encore une fois. Faut que je retrouve mon truc, mais c'est pas grave, hein, on va retrouver au fur et à mesure. Bon, attendez, je vais m'arrêter 2 minutes. Je vais aller réparer mon module histoire de pas mourir. Ah merde, j'ai pas d'énergie. Oh zut. Alors faut que je cherche une batterie. On va faire mieux avec ça. Hein. Hop, on va se dépêcher. Bon allez, ça c'est fait. Alors, on y va. Je pense que je me suis perdu, hein, comme d'hab, mais c'est pas grave, on va continuer. On va essayer de trouver le gros truc. Bon, faut vraiment retrouver la grotte, hein, voilà. Et normalement, après, vous allez pouvoir vous diriger vers des grottes où il y a des cristaux rouges. Alors là, je ne sais pas si je suis bien toujours à droite, donc je continue à longer à droite. On verra bien ce que ça fait. Pas l'impression que c'est bon, hein. Bon, en fait, on va repartir par là. Bon, je vous promène, hein, je vous balade, hein, vous avez l'habitude. Pas grave, hein, on va finir par trouver. Allez, on va supposer que c'est dans le coin, donc je vais continuer à longer la droite. Alors, je vais peut-être pas passer là. Ok. Ok, je vais continuer à descendre. Voilà. On va rester sur la droite. Je continue, hein. Je finirai par pas trouver. Bon chemin. Chaque fois que je crois que je vous explique, je me perds. Hein. Quand je repère mon itinéraire, mais à chaque fois, c'est pas la peine. C'est pas par là. Enfin, c'est pas par là, si je continue de toute façon. J'explore. Est-ce que je me rapproche? Oui, peut-être que non. Ah, je prends toujours mon repère, toujours à droite, hein, normalement. À force. Il faut bien me retrouver, non ? Est-ce que c'est là? Ouais, donc là, vous voyez, vous avez l'entrée. Donc là, bah, ce que vous faites, une fois que vous avez l'entrée à nouveau de la grotte, bah, toujours pareil, vous longez à droite. On continue, on longe la paroi. Et normalement, on devrait arriver dans une nouvelle caverne. Enfin, ouais, ou d'homme, je ne sais pas. Où il y aura des cristaux rouges, logiquement. Vous voyez, là, ça a l'air de disparaître. Donc j'ai l'air pas trop mal.
pas. Je vais réparer, ça va. Je continue. Toujours à droite. J'ai combien? 65, c'est bon. Ah oui, on va tomber sur les cristaux rouges. Donc c'est pareil, bah maintenant vous commencez à descendre jusqu'à ce que vous trouviez, toujours en restant sur la droite, un gros pilier rouge. Alors là aussi il y a un gros méchant. Alors ce qu'on va faire, nous encore une fois, hop, je vais faire la même chose, je vais aller réparer mon truc. Parce que qui dit gros méchant dit que je vais sûrement me faire avoir, ça se trouve. J'ai aucune idée quand on dit gros méchant s'il est capable de me péter tout mon système d'un coup. Hop là, voilà, voilà. Tac, on est bon. Les amis, on va faire une sauvegarde. C'est quand même mieux. Et on est reparti. Voilà, on continue, on longe à droite. Et vous descendez au fur et à mesure. Donc là, il va falloir slalomer un petit peu entre les différents cristaux rouges là. Mais je reste à droite et puis je descends au fur et à mesure. Voilà, je vais descendre à peu près jusqu'à 900 ou 1000 mètres, on a dit. Voilà, c'est assez étroit, donc faut faire gaffe. Me rapproche, 800-850 mètres de profondeur. Hop, on va pouvoir continuer à descendre ici. Je pense qu'on ne devrait pas être trop loin. Ah voilà, donc il me parle. Ouais. Nickel, donc pareil, toujours à droite. Alors faut que je trouve pareil, vous devez trouver un gros pilier qui va du sol au plafond. Normalement. Voilà, voilà, l'autre il est méchant, il est là, les amis. Voilà, ce qui me semblait. Je ne sais pas comment me distribuer, mais c'est pas grave. On va prendre le risque de repartir. Voilà, et de descendre par là. Et de continuer et à essayer de trouver l'entrée. Donc après, voilà, il faut trouver le gros pilier. Je pense que ça va être celui-là qui va du sol au plafond. Et on va les tourner autour. Normalement, vous allez trouver l'entrée. Logiquement, alors j'espère que je suis au bon endroit. Regardez, allez là. Tac. Et vous avez ici l'usine. Donc, une fois que nous sommes là, et ben direction l'usine. C'est parti. On y va, les amis. Et voilà. Oh super. Yes, je vais sortir Alan de ma tête, ça c'est une bonne nouvelle les amis. Moi bon, j'espère que je vais y arriver. Alors hop, je fais rien de spécial, je vais sortir mon scan, peut-être des choses à scanner. Peut-être pas, oui ou non. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai les symboles de chaque truc pour fabriquer, oui, ok. Bon, j'explore un petit peu quand même, voir ce qu'il y a. Un outil spécial, hein. Quoi, c'est une porte, c'est tout noir. Oui, c'est un peu noir. Seek fluid intake. Oui, ok. Bon, alors on va déjà fabriquer nos trucs, hein, parce que c'est tout prêt. On va commencer par quoi? Bah, on va commencer par le premier, c'est quoi ça? Allez, on est parti. So Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You are a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, okay. Like me. Bla 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 bla. Is your interpretation? So, how did your valuable scientific mind wind up infected?
Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Oui, bah oui, 2 minutes. So allez, you came parti. Here to search for a cure? Le tissu. I left the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final... Oh, elle me fait chanter ou quoi, là? This is the last piece. Allez. Soon I will be autonomous again. Cool. What will you do with your newfound freedom? Sors de ma tête. I must return home to make amends. Amends? For the bacteria? There seems to be a lot you're not telling me. Me cacherait-il des choses? It's hard for me to find the words. Bah, réfléchis bien, mon ami. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the okay, bien le terminal. You still owe me an explanation. Okay. I understand. On y va, les amis. Allez, go. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Ça cause de lui tout ça? Oh merde. Oh. Ah, on voit qu'il se forme là-bas. We can come back to this. Ça y est. Oh cool. J'espère que c'est, bah, il va être sympa avec moi. Je vais lui parler. Ouais. Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Ah voilà, moi aussi je sais faire, mon petit gars. Je t'ai scanné. Super. Et après, fais quoi? Démarrer le transfert. Commencing data transfer. Ah ben voilà, ça va mieux, je vais être à moi toute seule. Did it work? Are we? Oh là là là, oulala, qu'est-ce que tu me fais? It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Yeah. Whoa. Hey. Oh, oh. Can you have a little bit of chocolate? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. Ah, oui, raconte. Hein. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. Pas me parler. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh okay. No. We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. Ouais. Bon, I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But... It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. How many survived the outbreak back? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern me. You're certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept you. Ah. Find me at the gate when you are ready. Au portail quand vous serez prête. In the meantime, I must prepare. Okay. Quel portail? Signal location uploaded to PDA. Yes. Bon, eh bien écoutez, on va déjà boire un canon. Vital signs stabilizing. Hein, on va faire ça. On va manger un petit peu, histoire de se restaurer. Voilà.
Parfait. Et donc, il va me demander de le retrouver au bidule. Alors, hop, je dois faire ça. Ce que je vais faire, ben, je vais tout de suite sauvegarder, hein, puisque je suis arrivé là. Il m'a donné un nouveau truc. Skeleton, ça, je peux le virer. Son nouveau repère, c'est quoi? Voilà, portail. Voilà, donc il va falloir que j'aille là-bas. Donc ce sera ma prochaine étape. Donc ici, on va retrouver ben, tout ce qu'il nous a dit, hein, les amis. Et voilà. Donc on est pas mal. On est pas mal. Donc bah, je pense que je vais retourner à la base, refaire un petit peu le plein. Alors quand je dis le plein, bah écoutez, ouais, parce que je vais après me rendre là où il me demande, je pense que c'est bien. Je vais virer là tous les schémas de lui, là j'en ai plus besoin, je pense. Toc. Toc et toc, ça me paraît bien, voilà, on n'a plus rien en stock. Et puis bah, on va pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Sachant que je dis là-bas il n'y avait rien. Hein. Ouais, il n'y a rien là non plus. Bon, j'ai rien à scanner, hein. Je pense pas. Je vais faire un petit peu le tour, voir si je vois des choses. Non, y'a rien, y'a rien. Bon, allez, bah, je vais rentrer tranquillement. Je vais reprendre la croix cacteur. Je vais le laisser là, il faut que je le rejoigne au portail. Donc, on va essayer de faire ça. Moi, ce que je vais faire, je vais rentrer à la base tranquillement, les amis. Hein, qui dit tranquillement dire que je vais peut-être me paumer, vous inquiétez pas, ça c'est comme d'habitude. Voilà, et puis on se retrouve et puis dans un prochain épisode pour la suite de nos aventures. Voilà, allez, je vous fais un petit coucou du fond de Altera à 953 mètres et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous avez aimé, vous pouvez prendre la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les notifications. Allez, d'ici là, les amis, pataugez bien, et puis moi, je vous retrouve bientôt. Salut, bye bye!